Le PDCI, fidèle à sa tradition de Maki Village, était dans une effervescence au son de l'hymne du parti et les harangues empreintes d'optimisme béa. Le candidat de ce parti, Ali Ali Hervé, en est l'illustration. Nous sommes le candidat de la paix et nous savons que à Tumudi, le clan de la paix est le clan majoritaire. Donc nous n'avons pas de raison de nous inquiéter parce que nous savons qu'à Tumudi, les gens, la population sont pour la paix. Le maître mot, discipline et sagesse. Détermination, se lever tôt le matin pour aller accomplir son devoir de vote pour que la paix triomphe à Tumudi. Les responsables de la PDCI de Tumudi exhortent les militants à la vigilance le jour du scrutin. Il est plus de 14h quand Jules Nanglé et son staff prennent leur pause déjeuner. Entre deux commandes au Maki Village, ce candidat indépendant peut encore séduire les électeurs. Je suis un candidat député résident. C'est la première fois que Tumudi va avoir un candidat résident. Et de ce fait-là, je souhaiterais, si j'ai la possibilité d'avoir l'électorat, créer un parlement local où toutes les forces vivent au niveau de la localité. On pourra se rencontrer pour discuter, échanger sur les problèmes inhérents au sein des populations. Respect des textes au sein des partis, désir de renouveau et reconnaissance de la force des jeunes. Jules Nanglé porte dans sa candidature cette revendication. La communion est totale entre les cadres RHDP et les militants au quartier à Kolomiambla. Ils portent leur candidat, Théodore Niamien, pour l'illustration du RHDP. Nous compétissons justement parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes des populations. C'est vrai, le député vote des lois, contrôle l'action du gouvernement, mais pour nous, un député peut être un agent de développement. C'est notre principale source de motivation. Comment, au détriment de cette poursuite de députés, pouvoir capter certaines opportunités et permettre à nos parents d'améliorer leurs conditions de vie. Tout le monde est sensibilisé qu'il faut aller voter. Ces législatives, un enjeu de taille pour le RHDP. Et à Tumudi, l'un de ses héros se nomme Niamien Théodore.